peut dire que j'ai attendu 25 ans le numérique pour pouvoir faire ce que je voulais vraiment. J'appelle ça hyperphoto. C'est une tentative de tout voir d'un lieu, donc de photographier le plus près possible, le plus large possible et sous tous les angles. Minimum 600 images et ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 000. En fait, quand je fais la photo, je ne sais même pas ce que donnera l'image finale. C'est sur l'écran que ça va se passer. Donc j'assemble par petits blocs et après, manuellement, je reconstruis l'image. C'est-à-dire que je détors les courbes pour les rendre droites. Quand il y a des perspectives, je les fausse un petit peu. C'est un espèce de pouvoir absolu que sur le monde. Avant, je faisais des images, plusieurs centaines de gigaoctets, milliards de pixels, mais ça sert à rien parce qu'on ne peut pas les imprimer à cette taille-là. Donc je me suis limité à la taille maximale, ça fait 120 millions de pixels. With Jean-François, it's about the detail. It's about zoom in, zoom in, zoom in, zoom in. And you can read the title of each book in his library. With all of his pieces, it's about the detail and precision he went to create each one of these. Le théâtre Montansier. Mais alors, ce qui m'a époustouflé, c'est cet escalier. En fait. Oui, notre escalier. Oui. J'ai flashé sur cet escalier, sur cette lumière, c'est superbe. Quoi. En fait, c'est cette spirale que je trouve superbe, cette hélice, en fait. Et ce serait une très bonne introduction pour la ville. Je prends un panorama de plusieurs centaines de clichés. Spécialement haut, bas, toujours avec l'objectif de pouvoir superposer verticalement ou horizontalement. Et je fais systématiquement tous les angles possibles d'un lieu. Donc j'assemble tous ces prises de vue, ces points de vue. C'est là que le travail commence réellement. Je trouve que la photo n'est pas réaliste. Parce qu'elle ne prend qu'un angle, qu'un cadrage. Et ce que je fais est finalement plus réaliste.